Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une recette magnifique, pleine de goût, pleine de saveur. Si vous aimez des recettes à base de fruits, donc je vous propose aujourd'hui une recette succulente, magnifique, croyez-moi, c'est un festival de saveurs et de goût. Donc c'est de la souris d'agneau. Ou poire, voilà comme vous voyez, très facile à réaliser, donc souris d'agneau caramélisée ou poire. Donc j'ai décoré avec des amandes effilées, torréfiées, donc vous allez voir tout en détail, croyez-moi c'est un vrai délice, vous devriez vraiment essayer cette recette, voilà. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin, comme vous voyez, de ma souris d'agneau. Donc, vous utilisez la quantité que vous souhaitez, un bouquet garni, coriandre, persil, aneth, coriandre. Voilà. 4 oignons. Donc, j'ai utilisé 4 oignons rouges émincés. 2 poires. Donc, de la poire, vous utilisez 2. De la cannelle en bâton et de l'anis étoilé. Je commence par saler et poivrer ma souris d'agneau. Et bien sûr, la quantité des ingrédients en fonction de vos envies. Donc, vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez. Donc, j'ai salé, j'ai poivré. Voilà. Une fois ma souris d'agneau est bien assaisonnée, donc on va la faire dorer dans un wok ou bien dans une sauteuse. Voilà, j'ai mis un morceau de beurre auquel j'ai rajouté donc environ 2 à 3 cuillères de l'huile végétale. Je laisse réchauffer et je laisse le beurre fondre bien évidemment. Je mets par la suite ma souris d'agneau, donc je vais la faire dorer 5 minutes chaque côté. Voilà, donc on va la faire dorer pendant 10 minutes. Donc c'est très important pour avoir plus de goût. Voilà, notre souris d'agneau va être bien parfumée, vous allez voir. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment donc de ne pas zapper cette étape. Donc il faut la faire revenir et la faire dorer dans le beurre et de l'huile végétale comme vous voyez. Après 10 minutes, donc ma souris d'agneau est bien dorée. Regardez, donc elle est bien colorée. Là, j'ajoute l'oignon bien émincé. Donc comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, j'ai utilisé 4 oignons rouges bien émincés. Voilà, c'est très important d'utiliser beaucoup d'oignons parce que donc la souris, on va la caraméliser. Donc ça demande beaucoup d'oignons. Voilà, donc je mets la totalité de mes 4 oignons. Et je vais les faire revenir avec donc ma souris d'agneau bien dorée.
J'ajoute le bouquet garni et une cuillère à café de l'épice garam masala. C'est facultatif, mais personnellement, j'adore le goût de cette magnifique épice. Voilà, donc je laisse revenir à nouveau. Je verse environ une demi-tasse d'eau. Je mélange très bien. Je recouvre et je laisse poursuivre la cuisson environ un quart d'heure. Pendant ce temps, je prépare mes poires, donc je les épluche après de les avoir bien lavées. Voilà, je retire les pépins. Je la coupe en deux. Donc chaque poire, je la coupe en deux. Bien sûr, vous pouvez rajouter plus de poires si vous le souhaitez. Donc j'ai utilisé deux pour ma recette, c'est suffisant, mais vous pouvez bien sûr utiliser plus que deux. Voilà. Les poires sont bien prêtes, donc je réserve de côté pour la suite de la recette. Revenons à notre souris d'agneau. Donc je mélange. Donc il faut mélanger de temps en temps pour que l'oignon ne se colle pas au fond de wok ou bien de la sauteuse si vous la faites dans une sauteuse. Voilà, donc c'est une recette vraiment magnifique, bien parfumée. Vous allez vraiment vous régaler. Donc là, l'oignon est translucide. J'ajoute un demi-litre de fond de mouton. Voilà, donc comme on a utilisé de la viande d'agneau, de préférence de rajouter le fond de mouton. Ensuite, donc la cannelle et l'anis étoilé pour bien parfumer mon plat. Je mélange à nouveau. J'ajoute les poires bien épluchées, bien épépinées, comme vous voyez, coupées en deux. Donc, juste une petite remarque, il faut choisir les poires bien fermes pour la recette. Donc, il ne faut pas utiliser des poires bien mûres. Au contraire, il faut utiliser des poires fermes, à chair, donc très fermes, pour la recette. Sinon, elles vont fondre à la cuisson. Donc, je recouvre et je laisse mes poires cuire dans la sauce. En parallèle, comme vous voyez, j'ai mis une petite poêle à chauffer
J'ai versé par la suite les amandes effilées pour les torréfier. Voilà, sur un feu vraiment très doux. Donc, il faut les torréfier sur le feu. Donc, il faut qu'ils soient très doux. Entre-temps, j'arrose mes poires. Voilà, il faut les arroser pour faire pénétrer la sauce, donc et avoir un bon goût donc à la fin de la cuisson. Donc c'est important d'arroser de temps en temps. Voilà, regardez, mes amandes effilées sont bien torréfiées. Voilà les amandes pour donc décorer les poires à la présentation ou bien le dressage. Ça apporte du croquant et de goût. Donc, on continue d'arroser de temps en temps. Là, regardez, mes poires sont bien cuites. Il ne faut pas les trop les laisser dans la sauce. Donc, juste un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon. On les retire. Donc, il ne faut pas les laisser fondre. Il faut qu'elles restent fermes. Elles se tiennent bien, comme vous voyez. On va les retirer, on va les réserver de côté. Jusqu'à la fin de la cuisson de la souris, on va les remettre dans la sauce pour les faire réchauffer. Voilà. Donc, je réserve de côté et je laisse ma souris d'agneau continuer sa cuisson. Voilà, regardez, les poires sont bien cuites, magnifiques. Donc, je recouvre la souris d'agneau et je laisse donc poursuivre sa cuisson en l'arrosant de temps en temps également. Voilà, là regardez, donc la sauce est bien liée, la souris d'agneau est bien cuite, donc le temps de cuisson, ça m'a pris environ 1 heure et demie. Donc il faut bien surveiller la cuisson, il faut bien arroser de temps en temps, et il faut cuire sur un feu vraiment très doux. Voilà, donc si vous augmentez le feu, vous allez vous retrouver avec des oignons, collé au fond de wok avec un goût amer, donc c'est pas bon. Alors je vous conseille vraiment de baisser le feu. Là, ma souris d'agneau est bien tendre, elle est fondante, donc elle est bien cuite. La sauce est bien liée, bien épaisse, il reste presque pas de sauce, c'est juste l'oignon avec environ un verre de sauce, c'est tout. Voilà. Ensuite, je remets mes morceaux de poire. J'arrose généreusement avec de la sauce épaisse, comme vous voyez, pour les réchauffer et pour plus de goût. Voilà, donc là, mon plat est prêt. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Vous pouvez faire cette recette même pour les repas de fête. Voilà. Passons au dressage de mon plat. Donc, je verse de la sauce au fond de mon assiette. Voilà. Donc, la souris d'agneau au centre. Un bout de papier aluminium pour cacher l'os et ça donne aussi un visuel magnifique pour la présentation. Les morceaux de poire tout autour. Voilà. Encore un peu de sauce sur la souris d'agneau. La sauce bien épaisse, magnifique, pleine de goût, pleine de parfum. Je parsème mes morceaux de poire avec des amandes effilées torréfiées. Et voilà ma recette dressée. Voilà, croyez-moi, c'est un vrai délice si vous aimez l'agneau, la souris d'agneau, les plats avec les fruits, la viande accompagnée cuite avec des fruits. Vous allez vraiment être surpris du goût de ce magnifique plat que je vous propose aujourd'hui en détail, comme d'habitude. Voilà. Donc prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.